Chers amis, chères lectrices, lecteurs, libraires de la Galerne, bonjour, je suis Jean-Baptiste Andréa. Aujourd'hui, c'est un grand jour, en tout cas pour moi, parce que c'est la sortie de mon troisième roman, Des diables et des saints. Alors, la Galerne et moi, c'est une longue histoire, puisque j'ai eu le plaisir d'être invité dans votre belle librairie du Havre à l'occasion de la sortie de mon premier roman, il y a près de 4 ans, et puis également pour mon second roman. Et là, ça s'annonce juste un petit peu plus difficile, en tout cas dans les mois qui viennent. Alors comme je ne peux pas immédiatement venir à vous, j'ai voulu vous inviter chez moi, dans ces belles forêts où j'écris. En fait, plus exactement, je viens chercher l'inspiration et cueillir les idées à la pointe des branches au cours de longues promenades. Voilà, c'est là que ça se passe pour moi. Des diables et des saints, c'est l'histoire de Joe, un vieux musicien, un pianiste extraordinaire qui, malgré sa virtuosité, malgré son talent, refuse de se produire ailleurs que dans des lieux publics, des gares. Il semble attendre quelqu'un. Et il nous raconte son histoire, il nous ramène vers un passé lointain, dans un pensionnat, pardon, au fin fond des Pyrénées, où les rencontres qu'il fera vont changer sa vie. Voilà, je vous en dis pas plus, si ce n'est que j'ai voulu braquer un projecteur dans un endroit du monde, un moment du monde qu'on ne regardait pas, sur des gens qu'on ne regardait pas, des gens qui sont invisibles. Et ce que révèle cette lumière n'est pas forcément ce qu'on croit, ça n'est pas de la laideur, ou en tout cas ça n'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Il y a aussi beaucoup d'aventures, et c'est ça que je vous promets dans ce livre, de l'aventure, de la joie, un peu de tristesse bien sûr, de la tendresse, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'en remets un petit peu, un peu d'aventure. Voilà, on secoue. Et voilà, Des diables et des saints, sorti aujourd'hui. Bonne lecture au pluriel, pas juste de ce livre-là. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Au revoir.